Bonjour, bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous sommes Trace Itour Gospel, à direct de Bounia Dalla Sarema Plaza, à l'occasion de la conférence des femmes capables. Cette activité avait pour objectif d'aider les femmes à prendre courage et à assumer leurs responsabilités envers leur foyer, ainsi que de préparer correctement les filles. De plus, un livre pour les femmes capables a été lancé. Cette activité était pensée sous la modération de l'évangéliste Nana Myriam Pitua. Mwanamke mwenye anaweza kuwa mwanamke mwenye kuna mfumo lipo na iko na juhudi. Et beaucoup de femmes et de filles ont été bénies, les autres qui ont témoigné au micro de Trace Itour Gospel. Tunabarikiwa sana tena sana. Tulipia ku seminaire ba mama, teme ilikuwa intitulé mwanamke anaweza. Na kwa ile teme tunasikia ba mwalimu mbalimbali walifika kutubariki. En tout cas mimi nasikia kisi mama Miriam anatu expliquer. Anasema mwanamke yule mwenye anaweza, haiko mwanamke njoo mwenye iko na gari, mwenye iko na pesa na mwenye iko na beauté physique, hapana. Mwanamke mwenye anaweza ni mwanamke ule mwenye anabeba bonne nouvelle. Bonne nouvelle ça veut dire anabeba habari njema ya Yesu, parce que Marie atezi kudecevoir, Marie atezi kuacha, lakini Yesu kwa mwanaume wa damu ule mwenye hawezi kukuacha, yeye ndio atakusoulager, anakupatia ma stratégie na anakupatia nguvu na anakukausha ma blessure intérieure. Ninabarikiwa sana. Pema ni ba mama benye munaishi bila Yesu ndani yenu, munaishi bila Mungu ndani yenu. En tout cas, inje na Mungu hakuna msaada. Nikujiza haulisha tu. Mimi ni mama Germaine. Mafundisho ninasikia ni mafundisho matamu sana, mafundisho mazuri, mafundisho ya kutusaidia sisi wa mama na binti zetu. En tout cas, tunafurahi sana kwa walimu wazuri ambao benye Mungu alitupatia leo. Tunasikia mafundisho, mafundisho yenyewe tatujengea manyumba zetu, mafundisho yenyewe itatusaidia kuishi ndani ya Kristo. En tout cas, tunashukuru Mungu sana. Kwa mama, ndeza waambia ba mama bajikaze, bakaribie Mungu, bakaribie Kristo. Juu ndani ya Kristo kuko yote. Ndani ya Kristo kuko uponyaji, ndani ya Kristo kuko baraka zao, kuko kuondoa ile shida na matatizo ya inchi, ya kuondoa vita ndani ya Kristo. Inafaa wanakaribia Mungu sana na kuomba Mungu sana juu Mungu ndio anatusaidia kana ndio mwenyewe anatuwezeshaka. Ni mama Rachel. Kwanza message napatia ba mama benzangu, kama yamsogelea Yesu, bashikaze basogelee Yesu, kwa Yesu kuna biot na mwanamke iko capable ya kufanya. Mwanamke apashe kujizarau. Mwanamke iko capable ya kutumika kuinchi. Mwanamke iko capable ya kuhubiri habari njema. Mwanamke iko capable ya kuokoa taifa. Sawa vile watu wengine unaenda unatembelea ba refugee, bale banamke balipoteza wa bwana wajane, unabahubiri unabaonesha namna mwanamke ataweza kuwa capable na ya kufanya bila mwanamume. Ukikuwa ndani ya Yesu kila kitu itakuwa facile kwako. Utatumika, kazi yako itaendeka bien, utaongoza watoto wako bien, watakutii fasi yote, utapata kibali. Kama tunaamini Yesu kila kitu itakuwa simple. Ndio nafikia message ba mama benzangu, yafaa kwanza kuamini Yesu juu kitu yote itaendeka salama. Moi c'est madame Prisca Wakasha, je suis mariée, mère de deux enfants. Moi par rapport à l'activité, je vraiment apprécié parce que la conférence à question, elle était vraiment capable pour beaucoup de femmes et je regrette les femmes qui n'ont pas participé. Par rapport aux intervenants d'aujourd'hui, nous avons été édifiés. On nous a montré la capacité d'une femme. On nous a aussi montré qu'est-ce qu'une femme doit devenir en tant que femme selon la volonté de Dieu. On nous a montré qu'une femme fait résider la paix autour de lui. Une femme doit être une femme capable qui connaît comment enlever sa tête ou bien savoir apporter un plus autour de lui. On nous a encore montré quelques caractéristiques qui font à ce qu'une femme maintient et stabilise son foyer, et ce que les hommes n'aiment pas souvent et ce qui déstabilise souvent les enfants. Bon, en fait, en bref, c'est ça. Merci beaucoup pour les services et merci beaucoup pour votre gentillesse, parce que c'était l'activité chrétienne, mais quand même vous avez été là, vous avez couvert du début jusqu'à la fin et vous avez montré la valeur pour une femme itourienne. Merci beaucoup. Mafundisho walituma, nilisikia kuma voix mingi, nisikia ku radio, kuma réseaux sociaux, nikasikia bena furahi kama vile mwanamke, parce que tunakoka tuko tunaishi wanamke, tunajizarau, tunajikulpabilize, hatujuake mafaa yetu. A partir ya hii mafundisho nimejua kumbe kama mwanamke ni kitu kia samani sana. En tout cas mwanamke ni kitu kia nguvu sana. Kapisha sema mwanamke ni nguzo. Mimi natosha kwa
hii mafundisho de ma part inanitosha kwanza uvivu, inanitosha kiburi, inanitosha kujizania. Paske mtu anajikwaka na jizania wakati uko wa mzuri, unazala mingi, unasoma mingi, uko na pesa mingi, unawaza wewe ndio mwanamke mwenye unafaa. Kumbe haiko vile. Banasema mwanamke mwenye anaweza ni ule mwenye anaweza weza kuhubiri habari njema isaidie watu wengine. Kwa kweli mwanamke mwenye ataishi bila Yesu ule haiko mwanamke. Paske shetani iko anatembea na anatupitia hako sie banamuke. Sia banamuke tuko na gharama za mingi za kufanya sana kusudi tuendeleshe jamii. Alors sie ba mama tujikaze tufatane na Yesu. Na haiko kusema kama unafatana na Yesu mara moja uache kazi yako ya bunyumba, jibu ni hapana. Yesu na bunyumba wanapatanaka. Ukikatala bunyumba unafata Yesu pale umeokosea mume wako. Na Biblia nasema tuanzie wapi? Jerusalem. Voilà, donc unapasha libre. Ujue kama unatengeneza nyumbani na unatengeneza kanisani. Usiwe mwanamke wa kuheshimia ba pasteur na bwanako haumheshimi yake. Vraiment ce n'est pas bon. Je m'appelle Zilfa Zorabo, je suis fiancée. Ce que j'ai retenu à travers l'enseignement, j'ai retenu que une femme doit être capable et doit dépendre d'elle-même. C'est bien, je me suis attrapée parce que moi aussi je suis une femme battante. J'ai presque déchoué. Donc je travaille au salon. Alors si c'est, j'aimerais dire aux autres filles de dépendre d'eux-mêmes, pas même de dépendre des autres. Tu peux même créer ton propre entreprise esquissée. Business, en fait. Oui, des business et des choses pareilles. Bon, pour que je sois équilibrée, j'ai juste à apprendre à tresser et que toutes les femmes soient soumises à leur mari. Oui, c'est la leçon que je viens d'apprendre aussi. Que toutes les femmes dépendent d'eux. Jina ni Justine Lukambo. Thème ilikuwa mwanamke anaweza. Na mafundisho yamekuwa bien. Kila mtu amebeba yenyewe yake, mimi nishabeba yenyewe yangu. Mwa ile mafundisho yenyewe tumepata, vraiment inanibariki sana. Na niko deja na bienye, mimi nawaza vitanisaidia nyuma. Habari njema yenyewe, mimi naweza pana juu ya bafamu benye wanaweza, mwanamke mwenye anaweza. Banasema tusikwe benye kujiwazia, ulisoma, uko na franka, umeokuwa kwanza unaogopa Mungu. Kama unaogopa Mungu itakuwa ya maana sana. L'organisatrice de cette activité parle à ce sujet toujours au micro de Trace Itour Gospel. Mie ni mama Aimé Amani Gilbert. Niko kiongozi ya kundi ya wamama, yani kundi yenye inaitwa kwa Ligue des Femmes Chrétiennes pour la Paix Durable. Hii inspiration nilipata ilikuwa tu ni neema kutoka kwa Mungu, kwa sababu wakati nilipata neema ya kupata wokovu, alors pale Mungu alianza kunirevelea vitu ya mingi sana, na saa vile neno inasema hapa ku Zaburi inatuonesha kama mwanamke naye iko na ile uwezo ya kuweza kupasha habari. Alors ile kitu ilikuwa inanisumbua sana ndani ya maisha yangu, jo avec neema ya Mungu jo mpaka leo tunakia organize kitu sawa na hiki, na haiko njo ya kwanza wala ya pili, inaweza kuwa ya tatu sasa wala ya nne kuorganize kitu sawa hiki. Ambisio ya hii activity ni kwamba ba mama baweze kudumu ndani ya neno la Mungu na kuangalia gisi ya kuleta maendeleo na juu ya kuleta amani ndani ya dunia mzima, kwa sababu mwanamke akisimama na dunia mzima yote inapata kimya kabisa. Na mie kumie mimi nasemaga kama mwanamke haife anajizarau. Paske shiba na mke tunaweza sana. Kuko wengine bitu yenyewe unakutana kata mwanaume haezi weza, lakini unakutana mwanamke ko capable wa kuifanya. Paske uko nakutana ta leo unakutana mwanaume atakuwa ko feble, bibi atafanya nguvu yake yote hata na siku moja watoto wake hata lala njala. Kupitia ile ya kusema ke mwanamke hawezi hubiri. Banamuke kila mwenye anapokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wake ni mpasha habari, sababu neno la Mungu linasema enendeni ulimwenguni pote mkawafanye watu kuwa wanafunzi wangu. Donc ile limite haiwezi kuwa kwa mtu mwenye kwa mo ile kitu ndani yake. Kwa juba anasema kwenye kitu ya Mungu iko hakuna mwenye anaweza kuizuiza. Donc sawa na gisi kitu inapatikana hapa kwa siku ya leo ilikuwa tu inspiration ya Mungu, na kama tunaifanya hivi na watu banabarikiwa, basi jina la Bwana linabarikiwa tu. Ndio journalist message zapatia kwanza ba mama bale bakimbizi. Donc kuhali kwanza nyebiko banapatikana kwa sai, banalala mubaya, wanakula mubaya, wanazaa vibaya, manake ni shida tu. Mie konsema ningebapatia bajipatie kwanza maisha yabo kwa Yesu, sababu Yesu njo mwenye anaweza yote, na Yesu iko naone ile mateso yote nyebiko banapitia. Donc bakitia tumaini kwa Mungu, Mungu wa mbinguni hata kosa kubafanyizia. Na ba mama bengine benye biko tu kumanyumba benye balisha vunjika roho,
jubegine ba mama biko na ma blessure kabisa. Unakutana mama anazai shitu mkono kulichafu ayo kama fanye nini. Lakini Mungu wa mbinguni mwenye ashindwa ke na kitu bale ba mama. Ningebambia ba patie Yesu maisha. Basi mame tena bajipatie nguvu na bajikaze bako naonekana kwenye banasikia ba mama biko. Nabo bafike pale batapata faraja ya moyo. Antuka merci sana juu ya hiki kitabu kabisa. Ningelisi mama yote kabisa ajikaze apate hiki kitabu. Sababu ndani ya hiki kitabu muko vitu mingi sana ya kusaidia juu ya maisha ya ndoa, juu ya maisha ya kanisa, juu ya maisha hata ya societe. Muko maneno mingi vrema kama mama naikala tuko naangalia page sur page. Antuka hata kosa kubarikiwa. Iko na page 10 na yote iko na matitre mbalimbali. Inahusu kabisa jutu ya maisha, gisi ya kuchunga watoto, gisi ya kufanya kazi ya Mungu, gisi ya kuchunga mume, gisi ya make kwa mubia mingi tu sana. Na wapenda sana, napenda inchi yangu, napenda wa mama, napenda wa baba, napenda wa sika wote na wapenda. Alo, konse yangu ya mwisho ndeza patia, batu yote, tujikaze tupatie Yesu maisha yetu. Kwa sababu bila Yesu hakuna furaha, bila Yesu hakuna raha, bila Yesu ni kuteseka na kuteseka ndani ya maisha. Donc dawa mwandeza patia batu ni kukamata Yesu, maana yeye ni dawa ya uzima, tena ni dawa ya roho na ya mwili. Atuka Mungu endele kubabariki. Nafurahi sana kujikutana ku mikro yenu hapa, vraiment mimi nasikia furaha sana. Muendelee mbele na musonge mbele, atuka tutakuwa tunaonana. L'oratrice de cette activité a exprimé son amour et appelé toutes les femmes à donner le meilleur d'elles-mêmes. Je réponds au nom de Liliana Adika Abiria. Je suis l'épouse du pasteur. Je prêche la Bible, je prêche la parole de Dieu. J'encadre les mamans et les jeunes filles, la jeunesse à l'église. Mon mari s'appelle pasteur Abiria Okonzi Melkier. Oui, en tout cas, je remercie beaucoup le Seigneur pour cette opportunité. C'est une bonne occasion. Nous avons reçu beaucoup de mamans et de jeunes filles, et surtout de mamans âgées. Et cela a été vraiment positif. Elle dit que le ministère des femmes est négligé parce que les femmes se laissent faire. De plus, les femmes doivent prêcher la bonne nouvelle. Oui, bon, ce que je peux dire, premièrement, c'est d'abord, si on néglige le ministère des mamans, c'est parce que les mamans elles-mêmes, elles se négligent. Parce qu'il y a quatre pensées négatives que les mamans doivent combattre cela dans leur vie. La première pensée négative, c'est sous-estimer. Et la deuxième pensée négative, c'est ne pas accepter les dons qui est dans une autre maman. La troisième pensée négative est que les mamans, entre elles, ne s'estiment pas. Et le quatrième, c'est que la quatrième pensée négative est que les mamans refusent souvent les postes de responsabilité. Si on demande à une maman de faire quelque chose, elle refuse parce qu'elle se néglige d'abord et se sous-estime. Alors, c'est pourquoi les hommes les considèrent aussi à ce sens-là. Mais si une maman comprend son identité en tant que femme, que la femme n'est pas seulement un être faible, mais la femme, c'est une puissance. La femme, c'est un pouvoir. La femme, c'est une force parce que Dieu a créé la femme à partir de l'os, mais l'homme à partir de la poussière. Parce que la Bible dit que c'est de la poussière que Dieu a créé l'homme, mais la femme a été créée à partir de l'os. Alors si la femme comprenait son identité et son origine, elle deviendrait forte et puis elle va faire quelque chose d'important et quelque chose d'épatant devant le monde. Moi, j'ai prêché sous... nous avons notre grand thème, c'était la femme capable. Alors le sous-thème que j'ai prêché aujourd'hui, c'était les parcours prophétique d'une femme capable. Bon, dans le parcours prophétique, à la conclusion, j'ai donné 5 pouvoirs de la femme capable dans son parcours. Donc, c'est une femme qui rassure la paix et la confiance. C'est une femme qui sait prendre soin et l'entretenir. Donc, aux gens qui sont autour de lui, à l'église, dans les quartiers, dans la société. Et le troisième pouvoir, c'était cette femme, elle est capable de créer l'abondance et la richesse. Donc, dans la femme, il y a la richesse. Dans la femme, il y a l'intelligence, il y a la sagesse. Et le quatrième pouvoir, c'est que une femme qui se prend, qui sait trouver des stratégies pour répondre positivement selon la gloire de Dieu. Pas de femme qui pousse les gens à s'entretenir, qui pousse les jeunes à se méconduire, non. De femmes qui peuvent donner des solutions aux jeunes filles, aux jeunes gens, aux manœuvrer, tout comme aux
au nom de ma compagnie. Alors, j'ai donné ces messages et a été un message très fort. Le moment était très béni. Et ce que je peux dire à la fin est que les serviteurs ou bien les leaders qui ne considèrent pas le ministère de la femme, c'est une grande erreur. Donc, la femme a un grand ministère parce que si la femme n'avait pas un grand ministère, Jésus-Christ n'allait pas se faire voir au tombeau à la femme. Il allait se faire voir à Pierre. Mais Pierre et Jean n'ont pas vu le Seigneur. Ils ont vu un jardinier. Ils ont vu quelqu'un qui gardait les tombeaux. Mais la femme, Marie, Jésus s'est présenté à lui parce qu'elle était là. Elle savait qu'elle avait un ministère et Jésus lui a donné le ministère de l'évangélisation. Et les femmes qui se lèvent pour évangéliser, leur ministère a vraiment un grand impact. C'est pourquoi je vais dire à ces hommes qu'ils sont en train de se tromper parce que dans 1 Corinthiens, le verset 14, le chapitre 14 que vous venez de dire, verset 33, si Paul avait dit que les femmes se taisent, ça c'était dans le contexte des Corinthiens. Dans le contexte des Corinthiens parce que les femmes qui étaient dans l'église des Corinthes, et c'était des femmes têtues, des femmes qui voulaient amener le monde dans l'église. C'est pourquoi Paul a dit à ces femmes-là de se taire. Et maintenant, beaucoup de serviteurs de Dieu, de ministres de Dieu, généralisent ces versets. Alors que le même Pierre, dans Galates chapitre 3, verset 28, il dit qu'en Christ, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni femme, ni homme, ni femme. Donc, en Christ, nous sommes un. Donc, il faut vraiment comprendre les contextes dans lesquels il a parlé. Le même Paul, il était accompagné par des femmes dans son ministère. Le message que je vais donner aux mamans qui sont dans la souffrance, c'est que je sais et que ce Dieu-là n'a jamais changé. Le Dieu qui a visité Israël dans Exode chapitre 3, verset 7, la Bible déclare que Dieu a dit à Moïse que moi, Dieu, je suis descendu. Je vis la souffrance de mon peuple et les cris que leur poussaient les oppresseurs. Je suis descendu pour les délivrer. Nous croyons qu'il y a une délivrance qui est en chemin et que Dieu ne nous abandonnera jamais. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui souffrez à cause de l'insécurité du pays, à cause de cette génocide, à cause de cette tuerie, je sais que Dieu est en chemin et il nous délivrera un jour et nous allons bénir le Seigneur. Je crois fermement que je verrai la délivrance du Congo. Je crois fermement que je verrai la main de Dieu stopper cette tuerie, stopper cette marque d'épée et nous donner la paix durable. Amen. Nous sommes vraiment enchantés pour des innovations comme Trace Ituri Gospel. En toi, que Dieu vous bénisse et que Dieu élargisse encore votre espace afin que beaucoup de gens puissent en bénéficier. Merci d'avoir aimé. Partagez si vous avez apprécié. Dites merci à toute l'équipe de Trace Ituri Gospel, Payotte d'évangélisation pour l'actualité évangélique. Et si vous n'êtes jamais abonné, faites-le directement et partagez ces messages. Chers artistes, pasteurs, producteurs, jeunes entrepreneurs, pour vos promotions et la réussite de vos produits, contactez Trace Ituri Gospel. Trace Ituri Gospel, Payotte d'évangélisation. Trace Ituri Gospel, boulevard de légende.